Nous allons préparer deux types de blinis. Le premier est avec de l'avocat et des petites crevettes mayonnaise. Le deuxième est garni d'avocat avec des œufs de saumon. Commencez par couper l'avocat en deux et retirez le noyau. Ensuite, retirez la chair de l'avocat et mettez-la dans un récipient. Ensuite, mettez du jus de citron. C'est pour le goût, mais aussi pour éviter que les avocats noircissent. Rajoutez une pincée de sel, une de poivre. Ensuite, écrasez bien à l'aide d'une fourchette. Il est possible aussi, si vous en avez un, de passer le tout au mixeur. Rajoutez une cuillère à soupe de crème pour l'onctuosité. Vous pouvez rajouter une pincée de paprika si vous le voulez. Préparez la mayonnaise. Commencez par séparer le jaune du blanc de l'œuf. Ensuite, mettez une cuillère à soupe de moutarde, l'équivalent en volume du jaune. Rajoutez une pincée de sel tout de suite pour que le sel se dissolve dans la moutarde pour éviter les petits grumeaux. Versez tout en continuant à remuer l'huile très doucement. Pour réussir la mayonnaise, il est important que tous les éléments soient à la même température. À la fin, vous pouvez mélanger plus vite. Vous pouvez rajouter une goutte de vinaigre à la fin ou alors de jus de citron. Prenez 100 g de petites crevettes grises et mélangez-les à la mayonnaise. Prenez les blinis ou des petits toasts et étalez l'avocat. Ensuite, posez en poussant délicatement à l'aide d'une fourchette les petites crevettes mélangées avec de la mayonnaise. Pour les autres blinis, déposez simplement les œufs de saumon. N'en mettez pas trop car ils ont beaucoup de goût. Vos blinis sont prêts.